Fin hier de la session de formation sur les objectifs de développement durable dans le cadre du projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique au profit des enseignants de l'ENA. C'est le ministre secrétaire général du gouvernement adjoint qui a clos la session. Les 17 objectifs mondiaux fixés par les États membres de l'ONU sur le développement durable d'ici 2030 restent un défi. Pour accompagner cette politique du développement, le Tchad, à travers le projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique, PROFAP, a initié le cadre de l'administration publique sur les notions des objectifs du développement durable. J'ose croire que les conseils et consignes donnés sur la participation active au débat et travaux ont été bien suivis. Je remercie donc chacune et chacun pour cette contribution et vous en félicite. Au total, 18 modules sont dispensés par l'expert, dépêché par l'École nationale d'administration de Québec. Le gouvernement du Tchad se réjouit de cette expertise et de l'appui multiforme. À la lumière de ces résultats, je me permets d'affirmer dès lors que nous venons de participer à un atelier de formation riche d'enseignements en attendant et en espoir pour son application dans le curricula de l'ENA. J'ai saisi cette occasion pour remercier la consultante experte en ODD, Madame Carpentier Chantal, pour l'équation propre et la qualité de la formation dont elle a fait bénéficier à nos cadres. Avec cette formation, les anciens de l'ENA, les administrateurs, les députés et d'autres personnes ressources sont à même d'appréhender les notions liées aux objectifs de développement durable et de les vulgariser.